Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, tout en souhaitant à chacun de vous des riches bénédictions de la part du Seigneur, et que ce que vous entendez dans ces émissions puisse vous aider à hériter de ce que le monde ne peut pas vous donner, de ce que la communauté ne peut pas vous donner, c'est-à-dire hériter le salut, hériter la vie éternelle. Nous sommes tous des mortels sur cette terre, et notre destination, c'est la tombe. Mais entre le moment de votre naissance et le moment de votre décès, Dieu qui est riche en miséricorde nous offre l'occasion d'échapper à la mort, et pour échapper à cette mort, il n'y a qu'un seul chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle a un nom, et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te délivrer de la mort, c'est lui seul qui est le Rédempteur, c'est lui seul qui est celui qui a pris le prix de notre rachat sur le bord du calvaire. Et en lui seul, nous avons la rédemption et nous avons le pardon de nos péchés. Ainsi, quelle que soit votre communauté, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Merci de pouvoir sacrifier votre temps pour nous écouter. Nous ne valons rien, mais nous croyons que ce que nous apportons de la part du Seigneur a une grande valeur, c'est-à-dire la parole de Dieu et surtout la parole de Dieu révélée pour cette heure. Et que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Aimez le Seigneur, aimez sa parole, et si vous l'aimez, il finira par se révéler à vous. Parce que Dieu, on ne le connaît pas par des études accumulées, on ne le connaît pas par avec beaucoup de diplômes, mais Dieu se révèle à celui à qui il veut se révéler. Selon ce que le Seigneur a dit, que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui aussi à qui le Père veut bien le révéler. Ainsi, nous voyons que beaucoup de gens sont très religieux, mais ils ne savent pas qu'ils adorent. Ils ne connaissent même pas Dieu qu'ils adorent. Ainsi, nous ne voulons pas être des adorateurs insensés, mais nous voulons être des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ainsi, je vous souhaite des riches bénédictions. À l'écoute de ce que vous allez entendre, ne nous méprisez pas dans votre cœur, ne nous maudissez pas dans votre cœur, et aimez-nous comme nous vous aimons, et prions les uns pour les autres, afin que Dieu puisse nous soutenir, qu'il puisse nous éclairer. Si nous sommes en erreur quelque part, lui seul est là pour nous corriger. Ainsi, ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans la médisance, ce n'est pas dans le colportage que se trouve le salut de l'homme, mais Dieu aime celui qui aime, et celui qui aime, la Bible dit qu'il est né de Dieu, et celui qui aime, il connaît Dieu. Ainsi que le bénédiction Tout-Puissant repose sur vous. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre. Nous vous disons merci pour vos soutiens, tant matériels que spirituels, pour toutes les prières que vous élevez pour nous. Que le bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Et pour le don en argent, en nature que vous donnez, pour que ces émissions ne s'arrêtent pas, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, et qu'il vous remette en centuple ce que vous faites pour lui, ce que vous dépensez pour son œuvre. Ainsi, nous allons nous tourner encore une fois vers lui, parce que c'est lui et lui seul qui possède les paroles de la vie éternelle. C'est lui seul qui possède l'immortalité, et lui seul peut nous délivrer de la mort, nous délivrer de toutes les angoisses qui peuvent nous assaillir quand nous avons des problèmes, et nous nous tournons vers lui afin que lui et lui seul puissent nous parler. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous atteignez, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez dans n'importe quel pays, parce que nos émissions vont partout via l'Internet, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous et qu'il vous donne la capacité de pouvoir recevoir sa parole dans votre cœur avec joie. Maintenant, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi même enregistrer. Enregistrez tout ce que nous lisons et confrontez-le avec les Saintes Écritures. Retenez simplement ce qui est conforme aux Saintes Écritures. S'il y a quelque chose qui vous semble être en dehors des Écritures, ne le retenez pas. Et la grâce du Tout-Puissant sera sur chacun de vous. Ainsi, je vous souhaite une bonne entente de la parole du Seigneur pendant que nous allons nous tourner encore vers lui pour que lui seul puisse nous parler.
Nous sommes en train de parler de l'adoption des fils de Dieu. Nous avons vu ensemble que Dieu a des fils. Quand je parle des fils, même des filles sont là-dedans. Et que toute la création soupire et l'attend. Et l'attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. Et cette manifestation va se faire à la fin des temps, juste avant que le Seigneur paraisse dans les airs pour prendre ses enfants. Et nous voyons, nous avons vu que ces enfants, non seulement ils seront manifestés, ils seront vus, mais Dieu va les adopter, c'est-à-dire qu'il va les placer dans une position d'autorité. Et nous avons montré ceci dans les émissions qui ont précédé, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu par excellence, nous a donné l'exemple de l'adoption. Et nous avons parlé ensemble, nous avons montré ensemble ce qui s'est passé sur le montant de la transfiguration, ce qui nous est relaté par Matthieu, dans Matthieu chapitre 17, commençant par le verset 1er, et ce qui est arrivé, comment Jésus est apparu quand il a pris, ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et qu'il les a amenés sur votre montagne, et là, il fut transfiguré, et quand les disciples ont regardé, ils ont vu que ses vêtements étaient éclatants comme de la lumière, son visage était comme le soleil, et à côté de lui, il y avait Élie, il y avait Moïse, et pendant que Pierre, quand il a vu ça, il était tellement émerveillé, il dit, Seigneur, qu'il est bon de se trouver ici. Et nous voulons faire trois tentes, en quelque sorte trois organisations, trois dénominations, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et pendant qu'il parlait, il fut interrompu dans ses paroles parce que ce qu'il disait n'était pas conforme à l'Écriture. Et une voix s'est fait entendre du haut des cieux, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Il va ajouter, écoutez-le. C'était la cérémonie d'adoption. Parce que dans la cérémonie d'adoption, le père prend le fils et le place devant témoin et il peut dans un endroit suffisamment élevé pour que tout le monde puisse le voir, et prononce des paroles solennelles pour montrer que cet enfant, à partir de maintenant, je l'adopte. Et nous avons montré que l'adoption dont nous parlons, c'est un placement dans une position d'autorité. C'est là où le Père montre que, dès aujourd'hui, ce fils que vous voyez, il devient en quelque sorte mon égal, sa parole devient égale à ma parole, et ses décisions égales à mes décisions. Et s'il prend une sanction contre vous, cette sanction, je suis d'accord avec lui parce que nous sommes en communion avec lui. Et nous voyons que c'est de cette manière que Dieu va présenter ses enfants. Quand les fils de Dieu seront manifestés et qu'ils seront pleinement adoptés, ils auront l'autorité divine. Ils vont parler et la chose va s'exécuter. Ce sera le temps de la parole parlée. Ils vont exécuter des grandes choses, mais ce ne sera pas par leur volonté, mais ils seront téléguidés ou seront commandés par le Père, parce que Dieu sera en action. Et nous avons vu que Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 19, tout ceci va s'accomplir dans l'épouse, dans les fils de Dieu manifestés. Dans Jean chapitre 5, verset 19, il est dit ceci en montrant ce qui nous attend. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Parce que les fils adoptés, leur parole sera égale à celle du Père. Et dans l'Ancien Testament, au psaume 89, oh ce psaume merveilleux, le psaume 89, et je prends deux versets, le verset 28 et le verset 29 qui parle du Messie, mais nous nous retrouvons un peu là-dedans par ricochet. Il dit ceci au verset 28, « Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. » C'est ce qui va arriver quand les fils de Dieu seront adoptés, qu'ils seront manifestés. Regardez que ces trois témoins qui sont apparus avec le Seigneur sur la montagne, d'abord il y avait Élie et Moïse qui étaient à côté de lui, et Moïse typifiait la loi. Comprenez,
Tout ça, ça a une signification. Et pourquoi a-t-il choisi seulement Moïse et Élie? Pourquoi n'a-t-il pas pris Amos? N'a-t-il pas pris Esaïe? Pourquoi n'a-t-il pas pris Jérémie? Non, cela avait une signification. Parce que Moïse typifiait la loi et Moïse typifiait tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur et qui vont ressusciter. C'est ça que typifiait Moïse. Et qui seront là quand, au stade final de l'œuvre de la rédemption, et ceux qui sont morts, les morts en Christ, vont ressusciter premièrement. Et Moïse était un peu le représentant ou l'ambassadeur qui représentait ceux qui vont ressusciter ceux qui sont morts. Et Moïse représente aussi la loi qui a condamné tout le monde. La loi qui est un policier qui a arrêté tout le monde et qui les a envoyés dans le séjour de mort. Et de deux, il y a le prophète Élie. Le prophète Élie, c'était la justice de Dieu. Vous comprenez? La justice de Dieu, c'est-à-dire les prophètes représentaient la justice. Et quand Élie venait, si vous jouez avec Élie, il faisait descendre le feu du ciel. Et ce feu consumait tous ceux qui étaient là, qui pouvaient se moquer de lui. Regardez sur le mont Carmel, qu'est-ce qu'Élie a fait descendre? C'était le feu. Donc il représentait un peu la justice de Dieu. Et personne ne peut être sauvé si on applique la justice de Dieu. La justice de Dieu nous condamne aussi tous parce que nous sommes tous des impurs. Nous sommes tous nés dans le péché et nous sommes tous condamnés à la mort. Et nous avons besoin non pas de la justice de Dieu, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 1 verset 17 que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues uniquement par Jésus-Christ. C'est Jean chapitre 1er, verset 17. Il dit, car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par une seule personne, par Jésus-Christ. Et nous voyons que Élie représentait la justice. Et au travers de Jésus, qui a manifesté la grâce, nous recevons ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire que Dieu nous regarde comme étant des justes, comme n'ayant jamais péché, comme il est écrit dans Romains au chapitre 4, en parlant d'Abraham. Là, il est dit, je prends simplement le verset 24, le verset 25, il est dit en parlant d'Abraham, et l'apôtre ajoute ceci, c'est encore à cause de nous. Et je peux commencer au verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé Abraham à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore en cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, écoutez, et est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que en Jésus, Dieu nous regarde comme n'ayant jamais péché. Et nous voyons que, et il est écrit dans Ésaïe au chapitre 64, verset 5, que notre propre justice est comme un vêtement sué devant Dieu. Nous n'avons aucune justice à présenter à Dieu. Et c'est au travers du sang de Jésus que nous sommes justifiés, que nous avons le pardon des péchés, et que Dieu peut nous regarder au travers de ce sang et voir que nous sommes vraiment justes. Ça, c'était des témoins qui étaient avec Jésus sur la montagne, qui étaient apparus avec lui, parce que dans la cérémonie d'adoption, il y a des témoins, parce que la cérémonie d'adoption n'est pas une cérémonie secrète, c'est une cérémonie publique. Et Jésus a pris le soin de prendre trois témoins terrestres. Et le premier d'entre eux, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui typifiait l'espérance. Il a pris ensuite l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques qui typifiait la foi. Et il a pris le troisième, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour qui typifiait l'amour. Et nous voyons qu'ils étaient là pour qu'ils assistent à cette cérémonie et qu'ils entendent de leurs propres oreilles ce que le Père va déclarer comme parole, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai déversé tout mon amour, toute mon affection, et il va dire, écoutez-le, écoutez-le. Et nous voyons que c'est ce qui va arriver aussi avec nous. Nous devons
expérimenter cette véritable rédemption. Et je voudrais vous dire ceci, avant d'aller plus loin, et que cette rédemption sera complète, elle sera parfaite dans toutes les trois sphères de l'homme. Parce que nous sommes triples. Et comme nous sommes là, nous avons un corps, nous avons un esprit, nous avons une âme. Et la rédemption sera complète. Tout notre être sera totalement racheté, dans la rédemption. Quand nous retournons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et dans Romains chapitre 8, je reprends ce passage qui parle de la manifestation des fils de Dieu, mais cette fois, je vais continuer un peu plus loin pour voir que, au-delà de la manifestation, il est parlé aussi de la rédemption de nos corps. Et parce qu'il faut que ce corps, parce que quand nous recevons le Seigneur dans notre cœur, quand nous croyons en lui, qu'est-ce qui nous arrive? Et c'est l'âme, premièrement, qui est sauvée. C'est l'âme qui expérimente le salut, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Ézéchiel chapitre 18, verset 4, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous voyons que l'âme reçoit la parole de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. L'œuvre ne commence pas par l'extérieur. Il faut d'abord que l'intérieur soit lavé, que l'intérieur soit purifié, que l'âme soit sauvée, que l'âme puisse recevoir la parole de vie, comme l'apôtre Jacques dit que recevez avec joie la parole qui est semée dans vos cœurs, dans vos âmes, et qui peut sauver votre âme. Et regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 8. Commençons par le verset 18 jusqu'au verset 23. Il est écrit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est vrai. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, écoute attentivement, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, écoutez, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Nous sommes en train d'attendre cela. Ce corps dans lequel nous sommes, qui est encore dans la lutte, bien que l'âme est sauvée, ce corps est en train de lutter, il est dans le combat. Et regardez que l'apôtre Paul, dans le chapitre qui est avant, qui avait reçu le Saint-Esprit, qui était, quand on dit avoir reçu le Saint-Esprit est reçu dans l'âme, qui était scellé du Saint-Esprit. Voilà comment l'apôtre Paul pleure et se plaint de ce qui se passe, non pas dans son âme, mais ce qui se passe dans son corps, dans ses membres. Dans Romains chapitre 7, commençons par le verset 15. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, parce que la loi me montre ce qui est mauvais. La loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et il précise, il dit, ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire, ce n'est pas, il ne parle pas de l'âme, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir, écoutez, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon l'âme, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, ça c'est le corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Cette loi, elle lutte contre la loi donc qui est dans mon âme et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul décriait, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Vous entendez, de ce corps de mort. Et dans Romains chapitre 6, le même corps est appelé le corps du péché. Et dans Philippiens chapitre 2, ce corps est appelé, ou Philippiens chapitre 3, ce corps est appelé le corps de notre humiliation. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et maintenant, la révélation le frappe. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, notre rédemption, elle sera complète. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23 et verset 24. Voilà ce que l'apôtre nous révèle aussi sur ce que Dieu va faire en chacun de nous. Il est dit ceci, en rapport avec notre préparation pour l'enlèvement, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, il précise, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Donc, nous attendons, je rentre dans Romains chapitre 8, nous attendons cette grande délivrance où même nos corps seront totalement, totalement délivrés. Vous comprenez? Nos corps seront totalement délivrés et nous allons donc comment expérimenter le changement de notre corps. Et où la Bible dit, ce n'est pas seulement toute la création qui attend, mais même nous qui avons les prémices de l'Esprit, et les prémices, c'est le baptême du Saint-Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et nous attendons cela. Et nous savons que nous allons expérimenter ce changement de notre corps parce que la Bible l'annonce dans 1 Corinthiens au chapitre 15 que ce corps sera totalement délivré. Regardez ce qui est écrit à propos de ce corps dans 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce qui est écrit à propos du corps. Je vais lire du verset 53 jusqu'au verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est ce chapitre merveilleux qui parle de la résurrection, qui parle de l'incorruptibilité que nous allons avoir. Et voilà ce qui est dit dans ce chapitre, chapitre 15. Il dit au verset 53, car il faut, c'est une obligation, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut, parce que la chair et le sang ici n'hériteront pas du royaume. Et verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Et verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, notre rédemption sera complète. Nous attendons non seulement l'adoption, mais la rédemption aussi de notre corps. Vous comprenez? Et cela arrivera certainement. Et cela va nous placer dans une position d'autorité. Et cette adoption va intervenir, c'est pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Si nous sommes réellement des fils de Dieu, nous sommes prédestinés à hériter. Nous sommes prédestinés à l'héritage. Et dans Romains, toujours chapitre 8, regardez ce que l'apôtre nous dit à propos de notre héritage. Et parlant de cela, du verset 14 au verset 17, qui vient juste après, avant le verset 18, l'apôtre dit ceci, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez maintenant le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Retenez bien cela. Si nous sommes fils de Dieu et que nous avons été adoptés, c'est dans le but d'hériter, de devenir des héritiers de Dieu. Et il dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous entendez ça? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est ainsi que si nous sommes adoptés, nous sommes destinés à entrer dans l'héritage. Éphésiens chapitre 1er et le verset 11 d'Éphésiens chapitre 1er nous dit exactement ceci. Il dit « En lui, c'est-à-dire en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. » Si nous sommes en Christ, nous sommes prédestinés à devenir des héritiers. Vous comprenez? Et nous allons hériter. Et dans Galates, chapitre 3, verset 29, et l'apôtre nous dit ceci en disant, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Vous n'êtes pas héritier par hasard. Vous êtes héritier selon la promesse. Parce que l'héritage du monde a été promis, ou a été promis, à Abraham et à sa descendance. Ainsi, nous voyons que nous sommes prédestinés à l'héritage. Et qu'est-ce que c'est, mais cet héritage, c'est quoi? Nous allons hériter de quoi? Et regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître. 1 Pierre, chapitre 1er. Voilà ce que Pierre nous dit à propos de cet héritage qui nous attend et que nous allons aussi détailler un peu plus bas. Et dans 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 3 jusqu'au verset 5, l'apôtre nous dit ceci. « Béni ou loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, écoutez, nous a régénérés ou a permis que nous puissions naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Pour un héritage, écoutez, qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer,
ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et un héritage éternel. Vous comprenez? Et par le sang de Jésus, regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9. Nous entrons dans un héritage éternel. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 15. Il est écrit, et c'est pour cela que Christ, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent, écoutez, l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, nous sommes adoptés pour entrer en possession d'un héritage qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se flétrir, et qui est un héritage éternel. Et c'est ça qui fait notre joie. C'est-à-dire que après notre pèlerinage sur cette terre, après que tout le plan de la rédemption sera accompli, nous allons entrer dans un héritage éternel que personne ne pourra nous arracher. Un héritage qui ne sera pas falsifié, qui ne sera pas corrompu, qui ne peut pas vieillir, qui ne peut pas se flétrir. Et cet héritage, et nous allons entrer dans cet héritage, et cet héritage sera pour nous, pour l'éternité, c'est-à-dire, nous allons obtenir la vie éternelle, et l'héritage aussi est éternel. Regardez ce que l'homme de Dieu, Frère Branham, dit dans cette prédication sur l'adoption, dans cette brochure de la voix de Dieu sur l'adoption, l'adoption cinquième partie, et dans cette brochure qui a une compilation de prédications sur l'adoption, à la page 168, et le paragraphe commençant par le paragraphe 74, veut dire un passage assez long, et regardez ce que est l'homme de Dieu dit ici à propos de notre héritage. Et je commence par le paragraphe 75. Il dit ceci. Regardez, nous a prédestinés à recevoir cet héritage. Si je suis le vrai héritier de quelque chose, si Dieu frappe à la porte de mon cœur et qu'il dit, William Branham, j'étais appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'évangile. J'ai un héritage, la vie éternelle. Or, Dieu a envoyé Jésus afin que par lui cet héritage devienne une réalité pour moi, parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour en hériter. Il était en blanc, il était valide. Il n'y avait rien que je puisse faire. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu, quand il a trouvé bon de le faire, il a envoyé Jésus, l'agneau immolé de la fondation du monde. Son sang était versé pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. D'être quoi? Que l'héritage? La position de fils, d'être un fils de Dieu. Jésus a versé son sang pour que je puisse entrer dans l'héritage, pour que je sois positionné dans la position de fils, d'être un fils de Dieu. Et Frère Branham continue en disant, et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savent ça?
Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible est la Bible. Jésus a dit, c'est dans Jean chapitre 10, « Votre loi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes de Dieu? » Et si vous appelez Dieu ainsi de suite, d'ailleurs Dieu avait dit dans Genèse chapitre 2 qu'ils étaient de Dieu parce que il lui avait qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, alléluia, et retirera à Satan tout le pouvoir qu'il a, oui monsieur, c'est en lui, il est le Logos qui est sorti de Dieu, c'est vrai, c'était le fils de Dieu, ensuite, il a fait de l'homme un petit Dieu, il a dit, s'ils appellent ceux qui la parole de Dieu est venue, c'est-à-dire les prophètes, s'ils appellent Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venu, et Dieu l'a dit lui-même qu'ils étaient de Dieu. Il a dit à Aaron, j'ai fait de toi un Dieu, et j'ai fait d'Aaron ton prophète. Amen. Phew. J'agis peut-être en fanatique religieux, mais je n'en suis pas un. Oh, quand vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là, bien, il a fait de l'homme un Dieu dans son empire. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre. D'un rivage à l'autre, il en est le maître. Et quand Jésus est venu, comme il était Dieu, le seul qui soit sans péché, il l'a démontré. Quand les vents ont soufflé, il a dit, silence, tais-toi. Amen. Et à l'arbre, il a dit, personne ne mangea de ton fruit. En vérité, je vous l'ai dit, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera fait. Retournez à la Genèse, à l'original. Qu'en est-il? Maintenant le monde et la nature soupirent, gémissent, tout en étant en état d'agitation. Comment ça? Pour que les fils de Dieu soient manifestés, car le véritable fils, le fils né, les fils remplis parlent et que leur parole est endossée. Je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Oui, monsieur, dire à cette montagne et qu'il en soit ainsi. C'est vers ça que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer vers cette pleine adoption où les hommes que nous sommes parleront. Et leur parole sera endossée et leur parole sera exécutée. Et vous allez dire des choses qui vont arriver, mais le secret qui se cache là-dedans, c'est quoi? C'est que ce que vous allez prononcer sera entièrement inspiré par le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, tels que nous avons lu dans Romains chapitre 8, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce sera des enfants pleinement adoptés. Ces choses ne vont pas se passer avec les poulets dénominationnels. Ces choses ne vont pas se passer au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais le Seigneur a dit, à vous qui êtes des petits dieux, si vous dites à cette montagne, au toit de là, jette-toi dans la mer, la chose va arriver et que vous ne doutez pas dans votre cœur, il va arriver comme ça. Et vous pouvez dire, vraiment, on continue, au paragraphe 81, il dit, frère, je désire telle chose, qu'une certaine chose soit faite, je suis un croyant en Jésus-Christ et je te la donne au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà une manifestation. Souvenez-vous que devant le temple, dans Actes chapitre 3, quand cet homme qui était paralytique et qu'il a vu Pierre et Jean venir au temple et il a tendu sa main en disant, homme, frère, pitié, donnez-moi de quoi me m'acheter un morceau de pain. Et Pierre lui dit, regarde-nous très bien.
regarde-moi. Il est dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et l'homme s'attendait à avoir peut-être même une drague, je ne sais pas quoi, dans sa main. Et Pierre lui dit, ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre avait la puissance. Et l'homme s'est levé d'un bond. Ses pieds, ses chevilles étaient devenus fermes. Et l'homme a commencé à courir dans le temple. Ces genres de manifestations vont revenir. Mais ce sera le double de ce que les apôtres ont fait. Parce que la Bible témoigne que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et Florian dit, au paragraphe 83, il est dit ceci, « Oh frère, tu peux dire par exemple, mes récoltes sont en train de griller, de sécher au soleil là-bas, je n'ai pas de pluie. » Alors je dis, « Je vais t'envoyer de la pluie, au nom du Seigneur. » Et voilà qui arrive. « Oh, attendant, soupirant, toute la nature attend, les manifestations des fils de Dieu, Dieu l'avait décrété au commencement. Il avait donné à l'homme cet empire-là. Il a donné à Jésus-Christ et Jésus l'a donné en son nom avec cette assurance. Demandez au Père tout ce que vous voudrez en mon nom et je le ferai. Oh frère Palmer, attendant les manifestations des fils de Dieu, la position de l'Église. Et il continue en disant, comme je le disais, l'épître aux Éphésiens, c'est le livre de Josué. Où Josué donne aux gens, aux tribus, la place qui leur revient. Bon, mais s'ils ne veulent pas rester tranquilles, si la place Éphraïm ici et le terrain de Manassé, que celui-ci revienne, qu'il fasse des histoires, qu'il s'énerve, comment donc vont-ils faire pour s'entendre? Alors que l'un dit, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste, je suis unitaire, je suis binitaire, je suis telle et telle chose. C'est ce qui se passe avec nos églises, ce qui passe avec nos dénominations. Les gens se battent parce que chacun pense qu'il a la clé du ciel. Chacun pense qu'il a la clé de la rédemption. Mais je peux vous dire, mon frère, ma soeur, le salut se trouve en un seul. Et ce seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui seul, nous avons le pardon des péchés, nous avons la rédemption, nous sommes devenus héritiers, et en lui seul, nous sommes ce que nous sommes. Et paragraphe 86, et plutôt 87, et Frère dit, comment allez-vous faire pour y arriver? Il répond, tenez-vous tranquille. Dieu veut placer son Église, les fils et les filles de Dieu. Son Église n'est pas une prostituée. C'est comme les gens tous les temps posent des questions sur les vierges folles. Est-ce que les vierges folles sont dans les dénominations? La réponse que je donne, elle est simple, elle est claire. Les dénominations, vous les trouvez au chapitre 17 de l'Apocalypse. Et là, elles sont appelées, il y a une mère avec ses filles. Et toutes ce sont des prostituées. La mère est prostituée, les filles sont prostituées. Mais quand vous prenez Matthieu chapitre 25, et il est dit que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Une vierge n'est pas une prostituée. Une prostituée n'est pas une vierge. Il n'est pas dit que parmi les vierges, il y avait aussi des prostituées. Parce que quand vous me parlez d'une dénomination, automatiquement, c'est une prostituée. C'est-à-dire une femme de vierge. Mais dans Matthieu chapitre 25, il est question uniquement des vierges. Et il est question, et toutes les 10 vierges avaient des lampes. Et la lampe, selon le psaume 119, verset 105, les lampes typifient, et le plus tôt, et ces lampes typifient la lumière. David dit dans le psaume 119, verset 105,
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc quand vous voyez que les 10 vierges avaient chacune une lampe et elles avaient la parole véritable, il n'est pas question de prostituer là-bas. Votre problème, c'est que vous ne savez pas distinguer dans ce que l'homme de Dieu dit, ce qui est conforme aux Écritures et ce qui parfois n'est pas que peut-être la pensée de quelqu'un. Dans la parabole des 10 vierges, ramenez toutes les citations à la parole de Dieu. Il est question des vierges. Il n'est pas question de prostituées. Et ça met fin à tous les débats. Vous comprenez? Et elles ont des lampes. Elles ont même de l'huile dans leurs lampes. C'est-à-dire de montrer qu'elles avaient de l'onction. Elles avaient de la lumière. Elles marchaient à la lumière de l'huile qui était dans leurs lampes, qui dégageait de la lumière. Et c'est des vierges. Elles sont parties toutes les 10 à la rencontre de l'époux. La prostituée n'attend aucun époux. La prostituée, elle se prostitue avec plusieurs hommes. Mais celle-ci, elle va à la rencontre de l'époux. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est qu'il y a 5 qui sont sages, qui ont de l'huile de réserve. Et 5 qui sont folles, qui n'ont pas pris de la réserve. Et il y en a 5 qui sont remplis du Saint-Esprit et qui se nourrissent de la parole de l'heure, vous comprenez, et qui restent attachés à la conduite de l'Esprit jusqu'à la venue de l'époux. C'est ainsi qu'elles font de la réserve d'huile. Elles écoutent des hommes mandatés par Dieu, pas nécessairement, pas seulement le prophète. Dieu n'a pas seulement un prophète majeur, Dieu a d'autres ministères. Et les vierges sages, elles font de la réserve d'huile en écoutant les ministères qui sont dans la lignée du prophète et du Saint-Esprit. Et parce que Dieu, il a donné dans l'Église, il n'y a pas que des prophètes, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs. Je parle des vrais ministères. Et ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi, pas l'unité des assemblées, et à la connaissance du Fils de Dieu. Savoir qui est le Fils de Dieu. Comprenez? Le Rédempteur, Dieu dans la chair humaine. Savoir qui il est. Et nous voyons que beaucoup n'ont pas cette connaissance-là. Alors nous continuons en disant ainsi. Un homme dit ceci. Dieu va manifester son Église. Il dit, tenez-vous tranquille. Dieu veut placer son Église. Les fils et les filles de Dieu, ô Dieu. Écoutez la prière de l'homme de Dieu. Donne-moi de vivre assez longtemps pour le voir. C'est ma prière. C'est tellement proche que je pourrais presque le toucher de mes mains. On dirait. C'est tout près. C'est ce que j'ai attendu avec impatience. J'attends de voir le moment où on marchera dans la rue et voyant un homme étendu là infirme de naissance, je n'ai ni argent ni or, oh, attendant les manifestations du Fils de Dieu. Alléluia, quand Dieu s'élèvera, quand Dieu se fera connaître, quand ils vont enrayer la maladie, qu'ils vont enrayer le cancer, qu'ils vont enrayer le mot. Vous pensez que le cancer est quelque chose? La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes pourriront debout. Et les buses, c'est-à-dire les corbeaux, se nourriront de leur carcasse avant même qu'ils meurent. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais souvenez-vous, il a été interdit en ce jour-là. Et à cette chose terrible, horrible, de toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant. D'entrer et d'être placé à notre position dans le royaume de Dieu avant que ces fléaux horribles soient déversés. Oh, que c'est bien la dispensation du temps, la plénitude du temps, l'héritage. Et il faut voir dans cette écriture, en lui, nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 11. Et il a continué avec ce commentaire au paragraphe 89. Notre héritage nous a été donné par quoi?
écoutez, par prédestination. La prédestination, c'est la préscience. Comment Dieu savait-il qu'il pourrait vous faire confiance comme prédicateur? Par sa préscience. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, ni celui qui le veut. C'est Dieu qui fait miséricorde, c'est exact. La prédestination. Il savait ce qu'il y avait en vous. Il savait ce qu'il y avait en vous avant même que vous veniez sur terre. Il savait ce qu'il y avait en vous avant qu'il y ait une terre sur laquelle vous puissiez venir. Ça, c'est lui. Écoutez, ça, c'est le Dieu infini, qui est infini. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas penser autrement que d'une façon limitée. Et nous voyons que nous attendons cette rédemption. Elle va certainement arriver. Prédestinée à quoi? Prédestinée à l'héritage. Et notre héritage, c'est d'être placé dans cette position de fils, d'être dans une position d'autorité. Notre héritage, c'est d'hériter la vie éternelle, d'hériter la jeunesse éternelle, d'hériter la santé éternelle. Et aucun démon ne pourra plus jamais nous toucher. Et nous serons placés dans cette position, prédestinés à entrer en position de tout ce que Adam avait perdu. C'est vers là que nous marchons. Et cet héritage n'a pas été promis à tout le monde. Cet héritage a été promis uniquement aux sanctifiés, tel que Paul le dit au roi Agrippa dans Actes chapitre 26. Regardez ce que Paul dit au roi Agrippa quand il parlait pour sa défense dans Actes chapitre 26 et parlant de l'héritage au verset. Je peux commencer à partir du verset 17 et jusqu'au verset 20. Il dit, et c'est le Seigneur qui parle à Saul sur le chemin de Damas, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, écoutez, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et Paul dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voilà un héritage qui nous attendait. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et dans Actes chapitre 20, au verset 32, regardez ce que l'apôtre déclare à propos de sanctifier. Il dit, maintenant, il parle aux anciens d'Éphèse qui étaient venus le rencontrer à Milet. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Aucune personne souillée n'a part à cet héritage. Et je vous révèle quelque chose, cet héritage, il est réservé uniquement à la semence royale d'Abraham. Et quand nous allons, pour terminer, dans Éphésiens, au chapitre 1er, regardez comment Paul parle de cet héritage qui nous est réservé. Heureuse la personne qui va hériter. Je vous dis déjà, félicitations. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous. Écoutez ces paroles avant que nous puissions terminer pour aujourd'hui. Et l'apôtre dit ceci, Éphésiens chapitre 1er, verset 13 jusqu'à verset 19, il dit ceci, en lui, en Christ, vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, pas l'évangile, la parole du mensonge, l'évangile de votre salut, pas l'évangile de votre perdition, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est comme une avance, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières afin que Dieu,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, si réellement tu es un fils et une fille de Dieu, Dieu va te manifester, Dieu va t'adopter et tu es dans la ligne de l'héritage, tu vas hériter tout ce que Adam avait perdu, tout ce que Dieu a promis à Abraham. Et la Bible nous dit que Christ, qui est le véritable fils d'Abraham, il est dit, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en lui, en Christ fils d'Abraham, il n'y a que le oui et amen. En lui, tout est possible à celui qui croit. En Christ, il n'y a pas d'échec. En Christ, il n'y a que la victoire. Et la victoire est dans le sang de Jésus. Ce sang qui était répandu sur le bord du calvaire, quand il est mort sur le calvaire, il a vaincu chaque démon, chaque maladie, chaque infirmité. Il a vaincu chaque esprit impur. Il a lancé ce cri de victoire. Tout est accompli. Et cette victoire, c'est ta victoire, c'est ma victoire. Et nous sommes là en train de soupirer. L'âme est sauvée, mais le corps a besoin d'un changement parce que ce corps, c'est de la terre. Et la terre n'héritera pas du royaume. Et nous voyons que la Bible nous dit qu'il faut que ce corps, il faut, revête ce corps corruptible, revête l'incorruptibilité, ce corps mortel revête l'immortalité. Et quand cela va arriver, oh, cette parole va s'accomplir, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton guion? Nous sommes en train d'attendre cela. C'est ça, notre héritage. Et dans notre héritage, nous sommes plus que vainqueurs au travers de celui qui nous a aimés. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, que Dieu vous bénisse richement pour l'attention que vous avez bien voulu m'accorder et que Dieu nous fasse grâce. Non pas de faire attention à la personne qui vous parle, mais de recevoir, si ce que je vous dis est la parole de Dieu, de la recevoir dans votre cœur, parce que c'est elle qui peut sauver vos âmes. Que la grâce tout-puissante repose sur chacun de vous et soyez plein d'amour. Aimez-vous les uns les autres, parce que l'amour accomplit la loi de Dieu, et l'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous demeurez dans la mort. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous aimons les frères. Ainsi que Dieu bénisse, qui vous accorde seulement des choses les meilleures, et si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous, comme de coutume, à l'émission prochaine.